nous sommes au bout d'une année. Une année de préparation, de travaux vraiment intensifs, en partenariat, je dois dire que avec la ville de Nice, avec Amaury Sport Organisation et tous les services de l'État, je dirais que nous sommes en ménage à trois depuis un an. J'ai pu élaborer une stratégie, mais d'un départ quand même. J'ai mobilisé l'ensemble des services de l'État, mais j'ai mobilisé aussi tout au long de la préparation l'ensemble des sous-préfets, parce que c'est une mission que nous devons réussir ensemble, et chacun savait quelle était cette mission. Place à la fête et place au sport, je crois que notre pays a besoin d'émotions intenses, partagées, et même si c'est avec le masque, eh bien, on peut quand même se régaler et voir des choses fantastiques. Je voulais vraiment dire merci encore aux 29 000 policiers, gendarmes et pompiers qui sont chaque année sur les routes du Tour et qui font que le Tour existe. Tout ce que les gens ne vous voient pas, mais sans ça, il n'y a pas de Tour de France. Donc cette année, il y a une chose en plus, qui est la lutte commune contre la pandémie, avec des mesures qu'on fait tout pour appliquer. Et surtout, l'important pour nous, c'est de dire aux gens de ne pas se relâcher pendant les 3 semaines. Si un coureur se relâche sportivement pendant les 3 semaines, il ne gagne pas le Tour. Donc nous, on a l'impérieuse obligation de ne pas nous relâcher.